Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo rangement et organisation. Aujourd'hui, j'ai trois choses à arranger. Alors, pourquoi ne pas vous prendre avec moi aujourd'hui pour vous motiver quand même, voilà. Alors, je vous avais aussi promis dans la vidéo précédente que j'allais vous montrer comment j'ai fait pour laver et garder mes tapis de la cuisine propre. Alors, par là, j'ai commencé dans la cabinette de la cuisine où je range mes produits de nettoyage. Voilà, ça se retrouve dans cet état. C'est quand même en désordre. Je vais essayer de mettre quand même un peu d'ordre, voilà. Mettre un peu les choses, voilà, mettre chaque chose à sa place, que ce soit quand même en ordre et facile à utiliser, voilà. Avant ça, je vais d'abord vous montrer les paniers que j'ai pris chez Dollar Store. Ça venait à 1,25$, j'en ai pris 4 et voilà. Ça va quand même m'aider à bien organiser mes produits de nettoyage. Et ces petites boîtes-là, ça vient aussi également de chez Dollar Store. Ça venait aussi à 1,25$. J'en ai pris 3. Voilà, c'est super joli. Je crois que je vais encore rentrer pour en prendre même 2 encore ajoutés. Voilà, ces petites boîtes de chez Omat. Ça m'a coûté quelque chose de 7$ par 1. J'en ai pris aussi des... Et l'autre là, ça m'a coûté aussi quelque chose de... des 14$ si je ne me trompe pas, ça tourne et ça quand même ça va me permettre à prendre mes produits facilement. Voilà à quoi ça ressemble. Je crois que j'ai payé ça à 14$ quelque chose. Alors par là, je commence par vider l'armoire, je vide le tout et voilà, je vous laisse avec la musique et je vous reviens juste après. Voilà, après avoir vidé le tout, je suis avec ces mélanges que j'ai fait des vinaigres, un peu d'eau, un peu de liquide vaisselle et un peu de jus de citron. Et essayez, vous allez voir, ça essuie aussi super bien. Mais il faut mettre juste un peu de liquide vaisselle, pas beaucoup. Là, je vais coller ces papiers là. J'en ai pris également chez Dollar Store. Je crois que c'était à 1,25$ aussi. J'en ai pris 2. Comme ça, je vais mettre ça. Si ça reste, je vais encore coller dans la cabinet de mes épices. Voilà. Voilà, la fin ressemble à ça. C'est pas super joli, mais ça va quand même, ça fait l'affaire. Vu que c'est la première fois que j'ai utilisé ces papiers-là, du coup, je savais pas trop faire et tout, mais quand même, ça a fait l'affaire et tout. Et ça embellit quand même hein, la cabinette, voilà.
Je me présente, moi c'est Myriam, je suis une jeune maman des deux enfants, une femme au foyer et travailleuse ménagère. Voilà, ma chaîne a été créée pour partager avec vous ma vie de maman. Sur ma chaîne, je partage la motivation ménage, l'arrangement, l'organisation, la cuisine et la décoration. Si c'est votre première fois de passer par là et que vous aimez les contenus que je fais sur cette chaîne, abonnez-vous quand même pour me soutenir, likez et partagez, pourquoi pas, activez la cloche des notifications pour ne pas manquer de mes vidéos. À mes nouveaux abonnés, je tenais sincèrement à vous dire merci. Soyez les bienvenus sur ma chaîne. Activez juste la cloche des notifications pour ne pas manquer de mes vidéos. Vos petites remarques et vos commentaires me font énormément du bien. C'est ça ce qui m'aide à améliorer. Je viens juste de commencer il y a quelques mois. Je ne connais pas encore grand-chose. En tout cas, laissez-moi vos messages. Si vous avez des petites remarques, je vais lire et vous répondre. Voilà. Que Dieu vous bénisse. La fin ressemblait à ça, c'est juste simple, mais c'est beau, j'aime bien. Dites-moi aussi dans les commentaires comment vous trouvez ça. C'est simple, mais c'est bien. Là, je peux voir chaque chose est à sa place. Avant, c'était juste en désordre. Pour trouver quelque chose, ça me prenait vraiment énormément de temps pour chercher. Voilà, là, je peux tout voir. Chaque chose est à sa place. Je vous laisse regarder la vidéo. Après, je vais passer pour arranger de l'autre côté. Voilà, j'attaque ces tiroirs. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour que ce soit dans cet état. En tout cas, je venais avec des petites choses. Je mettais ça seulement là-bas sans me rendre compte qu'il y avait trop de saleté. Il y avait des petites choses inutiles à mettre dans la poubelle. Voilà, je vais essayer de trier ça et arranger quand même que ce soit en ordre. Ce qui est à mettre dans la poubelle, je vais jeter directement. Ce qui est à garder, je vais garder. Je vais juste mettre ça quand même en ordre. Voilà, ça va quand même embellir cette partie aussi. Voilà, là je vais passer l'aspirateur. Après ça, je vais juste essuyer juste un peu. Et je vais essayer de coller les papiers qui me restaient et tout. Je vais voir si ça va aller ou pas. Si ça ne va pas, je vais carrément annuler ça et mettre de côté, placer mes choses seulement comme ça. Si ça va, je vais vous montrer ce que ça va donner après. Voilà, j'ai fini. C'est pas du tout mal. C'est quand même propre qu'avant. Voilà, je vais essayer de placer les boîtes là qui me viennent de chez Dollar Store. Si je crois que si je rentre encore chez Dollar Store, je vais ajouter encore même deux ou trois. Parce que là, ça n'en est pas, mais je vais essayer de mettre ça seulement comme ça. Et voilà. Thank you.
ressembler à ça. C'est trop simple, mais c'est beau quand même. Il n'y a pas grand-chose ici. La télécommande, là, c'est la télécommande de baffle. C'est pour ça que ça reste ici. Ou sinon, j'ai pas la télévision en bas pour le moment. Voilà, là, je vais attaquer la cabinette à épices. Il me faut juste remplir les boîtes et l'essuyer un peu, dépoussiérer la cabinette et laver et tout. Voilà, c'est tout ce que je vais faire ici. Je vais vous laisser avec la musique pour vous montrer ce que je fais. En fait, ce que je vais faire est que je vais aller laver les deux trucs là parce qu'il y avait quand même des petites saletés et tout. Je vais les laver pour que ça soit propre. Voilà. Là, je vais passer l'aspirateur pour enlever les petites miettes. Après, je vais juste à essuyer. Voilà, j'ai réussi à coller ces papiers également dans la cabinette. Je l'ai fait hors caméra puisque ça me prenait beaucoup de temps et tout. En plus de ça, c'était juste des petits morceaux que j'ai rassemblés. Et voilà, ça m'a donné ça. C'est quand même propre. Et voilà, je crois que ça va aussi embellir la partie quand je vais mettre les épices. Voilà, j'ai fini de mettre les épices dans des boîtes. Il y a d'autres épices que je n'ai pas. Je me suis rendu compte que c'était terminé. Je n'avais même pas dans mes stocks et tout. Je crois que je vais encore payer pour ajouter. Mais pour le moment, ça va rester comme ça puisque je n'ai pas. Quand je vais faire les shopping, je vais encore ajouter pour remplir les restes. Si vous voulez savoir, mes boîtes des épices viennent de chez Amazon. Je vais chercher les liens. Je vais vous laisser ça dans les barres d'infos. Vous allez trouver ça. Voilà. Là, je suis en train d'essuyer avec un torchon propre, avec un peu d'eau seulement, puisque je ne pouvais pas laver les tout, vu que
Il y avait encore d'autres pièces dans des boîtes et il y avait juste quelques boîtes qui étaient vides et tout. Je ne pouvais pas laver les tout, voilà. Alors, je crois qu'un jour, je vais attendre de vider tout, comme ça, je vais laver. Pour le moment, j'ai juste essuyé avec un petit torchon propre et voilà, c'est propre. Là, je suis en train de classer ça et je vais vous montrer les résultats finaux. Voilà, la fin ressemblait à ça. C'est juste propre et magnifique. C'est beau. Moi, j'aime bien. Dites-moi comment vous trouvez aussi. C'est joli ou pas? Voilà. S'il y a un peu de bruit dans la vidéo, vous allez quand même me supporter. J'ai les petits enfants. Impossible de les calmer. Bien que je suis un peu loin et tout, mais les bruits arrivent toujours. Alors, sais pas comment faire et tout. Voilà, c'est les enfants. Tu ne peux pas l'interdire de jouer. Voilà. Et là, je vais attaquer les tapis de la cuisine. La couleur, là, me demande vraiment, vraiment beaucoup d'efforts. Je ne peux pas les laisser, en tout cas, longtemps avec la saleté. J'essaie toujours de les laver pour garder ça propre. Si vous remarquez bien, il y a des petites taches que je vais essayer de laver avec la machine. Regardez, là, il y a l'huile rouge que j'avais préparée avec, c'était tombé et tout. Quand je prépare, souvent, je fais vraiment l'effort de ne pas mettre l'huile. Surtout l'huile rouge, ça ne quitte pas. Là, je vais laver avec ces vacuums là, ça lave et ça sèche aussi en même temps. Mais moi, j'aime bien mettre sur le soleil après avoir lavé comme ça va. S'il y a des petites taches, ça va aussi quitter avec le soleil. Voilà. Après avoir lavé ça, je vais juste prendre un peu de liquide vaisselle que je vais mettre là où il y a des petites taches et je vais mettre ça sur le soleil. Après, ça va quitter. Voilà. Si vous avez peut-être les habits blancs et que vous voyez que ça ne quitte pas avec les taches et tout, vous lavez ça, ça ne quitte pas. Si vous mettez ça sur le soleil avec un peu de savon, ça va quitter et après vous venez laver, c'est comme ça. Alors, je vais faire ça après quand je vais finir, je vais juste mettre ça sur le soleil, comme ça s'il y a les taches d'huile, ça va quitter. Regardez, l'eau là, c'était déjà presque sale, pas vraiment, mais c'était quand même sale. Voilà. Voilà les amis, ma vidéo touche à sa fin. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas de liker, de partager. Abonnez-vous surtout, activez aussi la cloche des notifications pour ne pas manquer de mes vidéos. Voilà, je vous dis à la prochaine occasion pour une autre nouvelle vidéo. Bye, que Dieu vous bénisse.